En Espagne, une exposition inédite du célèbre grand architecte Antonio Gaudí. Le Musée national d'art de Catalogne expose plus de 650 objets, statues, œuvres d'art, documents de l'artiste catalan sont à découvrir jusqu'au 6 mars 2022. On reste toujours en Espagne, mais cette fois-ci à Barcelone, où le mélodrame Rigoletto, l'un des chefs-d'œuvre de Verdi, se représente à l'Opéra de Barcelone jusqu'au 19 de ce mois. Sur scène, la pièce la plus importante des temps modernes restera toujours d'actualité, car elle évoque la mort, l'amour, le sacrifice de soi, mais aussi la soif du pouvoir. Direction Londres, où l'exposition la plus importante de l'artiste britannique Lubaina Hamid sont exposées au musée de Tate Modern. Une cinquantaine d'œuvres sont présentées, des peintures, des poésies, mais aussi des objets du quotidien. De quoi porter un regard sur l'artiste d'origine tanzanienne qui questionne la représentation des Africains dans la culture. L'expo prendra fin jusqu'au juillet 2022. Enfin, nous partons au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, une exposition sur mesure pour les personnes aveugles et malvoyantes, des répliques tactiles d'œuvres mondialement connues, des installations vidéo spéciales qui montrent le process de création des objets en 3D, une première où on voit tous les visiteurs toucher des œuvres artistiques.